C'est à vous de dire si l'action de Gessmar est bonne ou non. Je veux témoigner dans la rue, parce que je suis un intellectuel, et que je pense que la liaison du peuple et des intellectuels qui existait au XIXe siècle, pas toujours, mais qui a donné de très bons résultats, devrait être retrouvée aujourd'hui. Il y a 50 ans que le peuple et les intellectuels sont séparés. Il faut maintenant qu'ils ne fassent plus qu'un. Non pas pour que les intellectuels donnent des conseils au peuple, mais au contraire, pour que ces masses prennent une forme neuve. Et c'est pourquoi je vous dis, nous nous retrouverons certainement. Bon, pourquoi avez-vous refusé de témoigner au procès d'Alain Gessmar? Parce que mes témoignages ont été nombreux jusqu'ici, qui n'ont jamais rien changé. Ma situation est très particulière. Je devrais être l'objet d'au moins 5 ou 6 inculpations. Je le dis chaque fois au juge et je le dis, c'est évidemment pas à vous de m'inculper, mais vous devriez en tenir compte et libérer les autres, puisqu'il y a 2 poids et 2 mesures. Comme ce témoignage n'a jamais aucune espèce de poids et qu'on n'en tient pas compte, eh bien, j'ai trouvé qu'il valait mieux témoigner ailleurs, c'est-à-dire auprès des gens qui sont victimes de la violence et qui, eux, peuvent comprendre si Gessmar a eu raison ou tort.